Il y a du la concurrence, hein, vraiment. Et regardez qui voilà. Oh. Renaud Lavillani. Oh. Ouh là là. Ah, par contre, alors. Non, mais là. C'était pas Valentin que vous avez vu. C'était Renaud. Non, les deux. Ah, les deux. Pression. Mais Valentin, il est déjà éliminé d'ailleurs avec 3 échecs à 5,70. Et voilà, l'homme du troisième essai. Attention, une Café Saint-Gomis. Aïe, aïe, aïe. Toujours en collant. Ouf, alors là, il est passé 40 cm au-dessus. Ouais, mais... Ouf, ouais. Oui, il ouais. Peut tirer à longue Renaud Lavillani. Voilà, il commence tard, c'est peut-être dangereux. Hein. C'est quand même étonnant que la réalisation soit passée à côté de ces deux premiers essais, ouais, en tout cas le deuxième, parce que il quitte sa perche très tôt. Vous voyez que c'est la différence. D'abord, il a une marge. Vous voyez que et il se sépare de la perche, il la quitte très tôt, beaucoup plus tôt que les autres. Parce que là, il sait qu'elle l'a bien envoyé et il sait où il va se placer. Le geste de joie, il a encore en l'air hein, quand il le fait. Oui. Mais regardez, ouais, c'est fait peur, très très peur même, le tenant du titre. Et nous aussi, on a eu un petit coup de chaud là avec Stéphane.